ce soir les fertilités de ton esprit. Oh Abba Père, nous appelons ton nom encore. Oh merci Seigneur pour ta présence. Merci, merci Seigneur. Oh Abba Père, merci. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le roi de la vie? Toi, il est prêt. C'est possible que vous alliez en anglais. Ah, okay. Regarde celui qui est à côté de toi. Et dis-lui, bienvenue sur la terre de l'immortalité. Où les choses impossibles sont rendues possibles. Où les choses impossibles sont rendues possibles. Amen. Asseyez-vous un instant. Avant de commencer, je voudrais dire merci à Dieu. Et c'était dans son plan. Même moi-même, j'y aurais. Et je dis merci à Dieu. Je voudrais encore remercier le Père qui nous fait sentir la présence de son esprit chaque fois que nous sommes dans sa maison. Et dis merci au peuple de Dieu qui est là. Et sincèrement, le groupe musical a abordé le thème de ce soir dans leur chant. Et je voudrais ce soir enseigner sur un thème un peu particulier. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Quelle disposition prends-tu? Le pardon. Une spécialité de l'amour. C'est le thème de ce soir. Le pardon. Une spécialité.
ça à celui qui est à côté de toi. Le pardon. Une spécialité de l'amour. En fait, c'est une option de l'amour. Mais dis avec nous, Matthieu chapitre 6, verset 14. Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. En quoi tu es utile pour l'église?
sait que quand maman le blesse, il ne voit pas les hommes, mais il voit Dieu. La situation avec les hommes n'est pas un problème, mais c'est la situation avec Dieu. Soit c'est Jésus-Christ qui vient, soit c'est la mort qui te surprend. Comment te prépares-tu? Quelle est ta mentalité? Si Jésus-Christ venait aujourd'hui, ou bien tu quittais ici et tu n'arrives plus à tu n'arrives pas ta maison, parce que le Seigneur a décidé de te prendre par accident, ou bien le Seigneur a décidé de te prendre dans ton sommeil. Ils sont attachés, ils sont attachés. Ça dit lui là. Il a dit que je ne le pardonnerai jamais. Et lui-même, il vient devant le Seigneur. Ah oui, Jésus.
Jésus, tu es quelqu'un aujourd'hui. Pardonne-moi. Le Saint-Esprit te dit. L'autre gars là. Qui t'a brisé le cœur. Tu sais qui t'a brisé le cœur. Pardonne-le. Côté non nous dit des mois. Dieu, ce côté, faut pas toucher ça. Le cœur. Le pardon. Okay. Il y a des gens qui tombent dans la même chambre que leur mari. Mais le temps qu'on pas que le femme. Mais ils ne pardonnent pas leur mari. Ah moi, ils ne pardonnent pas leur époux. La femme porte déjà la malédiction. Quand vous allez tenir des rapports, et tu vas te rapprocher de ta femme, tu puisses encore cette même malédiction que tu as déposée. C'est comme ça, ça se passe. Tu maudis ton nom. Elle a un repos. Quand il s'approche de toi, c'est cet énorme prière qui te transmet. À la fin, tu fais du mal à qui? À la fin, tu fais du mal à qui? À la fin, tu fais du mal à qui? À la fin, tu fais du mal à qui? Comment pouvons-nous avoir ces cœurs-là? Et venir dans la maison de l'Éternel. On a ces cœurs-là. On porte veste là-dessus. On a ce que là, on porte cravate là-dessus. On a ce que là, on porte des chaussures de 100 000 là-dessus. On vient dans la maison de l'Éternel. Et quand il s'agit de prier, tu vas voir, c'est lui qui fait rire. Les barrières là qu'il sort. C'est comme des coups de marteau. Mais la Bible dit, si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne pas. Celui qui pardonne ne t'étouffe pas. Il comprend. Celui qui pardonne, il y a des fautes, des fautes, certaines fautes qu'on commet, envers nous. Celui qui pardonne ne détruit pas. Celui qui pardonne construit. Parce qu'il sait que tout homme est infaillible. Toi ici, peut-être que tu as écouté des histoires. Peut-être que tu as vécu des choses. En cette période, où nous sommes, quand tu es venu dans cette maison, peut-être même que le père de la maison t'a offensé. C'est même non. Toi-même, tu offenses les gens. Et tu demandes pardon. Mais pourquoi tu n'as pas encore trouvé le cœur là de pardonner ton père? Pourquoi tu n'as pas libéré ton cœur envers le père de la maison, envers un pasteur de la maison, envers un frère de la maison? Mais si tu dis que tu l'as pardonné et tu ne te
pardonner. Parce que le pardon, il y a des actes qui conduisent ce pardon-là. Ce qu'il m'a fait là, je l'ai pardonné. Mais moi je la vois là. Je ne veux plus la saluer. Quand elle me voit. Bonsoir, bonsoir pasteur. Bonsoir. Ça va. C'est quel genre de cœur ça? Dans la présence de Dieu, nous avons transformé l'église en un hôpital. Nous courons derrière le bien, nous courons derrière le problème. Quand nous trouvons satisfaction, mais nous comptons si même. On s'enfuit. Mais que fais-tu? Que fais-tu pour construire? Celui qui pardonne comprend. Jésus-Christ a compris la femme adultère. Quand on est venu pour lapider la femme, il a pris la défense de la femme. Toi, tu as entendu des choses. Qu'as-tu fait? Date-leur l'histoire. D'accord, le soin de l'Union. C'est le peuple qui a fait. Eh bien, non, il ne sait rien de l'heure. Aujourd'hui, la foi même des esprits. C'est David qui a reçu la croix pour moi. C'est David qui est Jésus-Christ. Lui aussi, il est même mort. Il a ses faiblesses. Il travaille pour améliorer ça. Toi aussi tu as les tiens. Et pourtant tu viens dans la maison de l'Éternel. Tu as des problèmes. Lui prie pour toi. Toi tu as entendu peut-être un problème de lui. Celui qui pardonne, il comprend les gens, il comprend leur faiblesse. Aujourd'hui, vous avez idéalisé les hommes de Dieu comme des super-héros. Il est déjà allé vers la dame qui va te dire là. Ah, il fait le moment. Yahou, ça faut faire 200 000 là. Oh là. Yahou, ça faut faire 200 000. Oh, il veut déjà envoyer ça sur. Statue. Statue là, combien? Les statues ont commencé. Vocal là, combien? Les vocales vont commencer. Celui qui pardonne. Mais non, c'est au bel et bien. Comprends. Et non, on coûte moi-même.
Le jour va projeter ce que tu fais ici. Il y a des gens ici. Mais aussi, si on projette même ce qu'ils ont fait de lundi à dimanche là, qu'il entende que le pasteur Calice et moi, je l'ai tenu par le col. Le cœur du pardon. Aïe, et l'on sait où est qui comprend. Et l'on vous dit même, c'est parce que tu ne pardonnes pas. C'est où est c'est parce que tu ne comprends pas. Et l'on vous dit même que tu as peur. Et l'on vous dit que tu es MIPE. Que tu as peur. Quand tu veux quitter la raison. Viens célébrer le culte avec nous. Il est bien arrivé là, oh Jésus, oh, tu m'as séduit. Oh Jésus, oh, je t'aime. C'est depuis la maison que tu vas chanter ça avec Dieu. Et on saura que tu comprends. Tu as compris. Quand quelqu'un va jeter une mauvaise parole sur ton église, tu vas stand for anything. Dans quelle église on ne trouve pas de désordre? Dans quelle église? Dites-moi dans quelle église? Même là où tu as quitté. C'est parce que toi-même tu ne veux pas dire la vérité. Mais ici, qu'est-ce que tu as même entendu? Quelles sont les rumeurs? Amen. Dis-moi Amen, je crois. Amen.
c'est le secret qui est dans ce passage. Ça. Parce que toi-même, parce que tu n'as pas pardonné à ton frère ou bien à ta soeur, ou bien à ton mari, tu as peut-être refusé de lui préparer à manger. Tu as refusé peut-être de lui donner de l'argent. Cela veut dire que Dieu lui-même, lui aussi va te refuser de te donner de l'argent. Lui aussi va se fâcher et prendre ta vie. Et si tu mourais, et si tu partais ce soir, il y a des gens qui écoutent ma voix. C'est peut-être. Je dis bien peut-être. C'est possible. Que ça soit, que cela soit ton dernier message. Quel est le cœur que tu veux présenter à l'Éternel? Quel est le cœur que tu présentes à l'Éternel? Celui qui pardonne arrange. Celui qui pardonne arrange. Quand on voit quelqu'un qui arrange, on sait que c'est quelqu'un qui pardonne. Depuis que tu viens dans cette maison, qu'est-ce que toi tu arrives à arranger? Quand tu vois la maison, si que arranges-tu? Dans le groupe des jeunes, dans le groupe des mamans, dans le groupe des papas, est-ce que tu arranges bien? Parce que celui qui n'arrange pas, demande à celui qui est à côté de toi. Qu'est-ce que toi tu arranges dans cette église? Que fais-tu de bien dans cette église? Non, il ne va pas parler. Il faut le secouer pour dire toi là. Oui. Depuis que tu as commencé par venir. Non, ceux qui sont enracinés dans l'égoïsme, dans la haine, ils ne veulent pas quitter le siège. Parce qu'il vivait une situation.
répond à l'aide de appuyez. Sachez que je suis là. Mais nous, tu vas vous. Oh, vous savez que vous avez la caille à l'église. Mais nous, tu vas. On le sait. Oh. Mais il que nous l'a. Appuyez. Le pardon. Ouais, ok. Le pardon. Ouais, ok. Le pardon. Ouais, ok. Le pardon. Ouais, ok. Il y a peut-être des gens qui sont venus ici ce soir. Et les le fils de la Bobadame, non. Craignent ce sont le lieu de Dieu, non, mais pas salué leur ami. Et moi, les pères de l'homme, c'est toi. Ils n'ont même pas salué leur bout. Les pères de l'homme, c'est toi. T'es caillé, venir là. Tu as fait quoi aussi, ça t'es caillé, venir là. T'as fait quoi? Et le fils dit, quand on va venir devant l'autel, vous allez le voir pour ça que c'est bon. Vous allez le voir. Bien, oui. Oh Seigneur. 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 Depuis 2 ans. Vous êtes plus accadé si vous le voulez. Si vous le voulez. Tu ne sais pas que la sorcière que tu combats. Tu ne sais pas que l'hôtel que tu combats. Se retrouve dans ton cœur. Oui, je suis un numéro. Parce que j'ai un cœur fermé. Il y a des gens qui sont ici. Mais les filles. Aïe, ton peu d'âme. Leur cœur est plus lourd que la dalle. Aïe, quand tu nous viens, dis-moi. Pourquoi là? Catapille a grugné. Oh, le catapille qui a le cru. Il y a maintenant 5 ans. C'est le catapille la seule qui peut prendre ton cœur. Même si les gens viennent, les gens ne peuvent pas soulever ça. En vrai, les travaux, c'est ce que les paroles sont souvent pour la parole. Certains même, de toute façon, quand ils te regardent, oui, ouais. Même dans Magnésie, comment vous appelez le royaume enfant? Arrosoutin. Si je ne le chasse pas de mon royaume. Moi ici, encore vous pouvez t'acheter. Lui là, il viendra me faire pour détails. Ah, et là, on a dit ça, c'est continué. Parce que la manette de le roi venir, c'est comme ça, moi, j'ai commencé à te voir envoyer. La manette de lui, il n'y a que le roi comme ça là. Et là, il tombe, il m'a dit, c'est pour le roi. Il viendra me chasser de mon trône de ça. C'est là qu'il va avoir un roi, c'est continué. Et lui, il donne un coup de deux, il dit, va l'église. Il y a des gens qui se disent que les acteurs de nos pieds sont là ce soir. Je sais que ce n'est pas moi. Mais tu n'as pas de mais il n'a pas tourné. Je vais aller voir ce qui va se passer là-bas ce soir. Parce que si tu as un cœur qui pardonne, donne-nous un cœur qui répare. Oui, d'ailleurs, il y a un problème. Si tu viens ici, tu vas t'approcher de Pasteur Calice. Ah, c'est ça pour Pasteur Calice. Ou bien de aussi là-bas. Faut ou bien de Mambouina. Avec le protocole. Avec le protocole. Ou bien de l'aide ou bien du père. Avis, Aroumé. Et qu'est-ce que je peux faire dans la maison? Qu'est-ce que je peux faire? Il y a des gens qui ont le don d'évangélisation. Ils ne veulent pas faire. Il y a des gens qui peuvent prier. Commence par prier. Vous voulez ou pas, les anges vont descendre. Il y a des gens qui sont bons dans le monétariat. Il y a des gens qui sont bons dans le protocole. Mais il y a des gens qui sont bons pour faire les suivis pour les nouveaux. Mais
C'est pourquoi moi je vais là-bas. Je vais chercher ma place pour m'asseoir avec toi. Après, je vais écouter la parole. Amen. 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 Je suis déjà au dehors. Donc, à la fin du culte, vous allez passer. Vous allez vous voir. Bonne fois, il ne peut pas la fin du culte. Et si le soir, le plaît. Même aller saluer deux personnes. Sois béni dans la maison de Dieu. Ah, tu viens ici aussi. Oui, je suis ma fille. Depuis quand tu viens ici? Si vous êtes ma fille. Ah, et toi seul tu viens. Pourquoi papa ne vient pas? Pourquoi ta maman ne vient pas? Ou ta frère? Ou bien ceux qui sont dans la maison? Est-ce que tu n'auras pas aidé quelqu'un? Madame, je ne cherche pas de l'air. Je ne cherche pas de l'air. C'est peut-être qu'il est au moins ici. Quand commence l'immortalité? L'immortalité comment? Le premier c'est quoi? La mort est impossible. Là, ça dit immortalité. Immortalité. La mort est impossible. La mort est impossible. Le deuxième, la santé divine. C'est la ça. La vie est impossible. C'est établi en ma faveur. Il est déjà à la porte là-bas. C'est là où nous sommes établis à sa faveur, là, en fait. Eh, on te voit établi, il faut faire son église. Oh, il est où là, il est déjà parti. Eh oui. Mais pourquoi nous faisons du mal? Personne ne peut nous donner un prix. Et nous avons des besoins. Mais quand nous deux, et nous venons présenter. La mort, la mort va te faucher. Quelqu'un que tu vas présenter à l'église. Quand tu vas te présenter devant le monde. Je doutais le message du pasteur. Ils sont venus faire la sincère à l'église. Thank you.
Les enfants d'aujourd'hui là, ils ne respectent plus. Le frère qui a la paix. Et il faisait dire, laisse-moi. Pourquoi il était caïta? Lui là, il a reçu quelle éducation? Tout était caïta. Il a reçu quelle éducation? Oh, c'est vrai, j'ai l'air de ça, il y a. Oh, mais est-ce que toi, tu as entendu ce qui s'est passé? Il a dit, ma roue, là. Lorsque le père n'était pas là. Oh, mais ton roue, il a pris, il a aimé. Oh, mais tu as visé tes enfants, ils sont en train de se battre. Oh, et, oh, tu dis, mon roue, on a mon roue, pour tout le monde, il t'a, son roue. Lorsque le conseiller, là, a rapproché ce roue-là, il lui a donné une. Il a dit, lui a donné un claque. Ah! Vraiment. Bon. Mais que Dieu a été à bien. Bien, avec ce qui s'est passé là, est-ce que toi, aller à l'église le mercredi ou bien j'attends? Bon, rapidement, il parcourt, il s'est dit, il parcourt Facebook. Et il a vu le Facebook, mais mon aimé. Et il voit une image. Ouais, bon. Oui, allez. Et on a vu, on a vu le feu. Ouais, c'est des sous-offres. Et il dit, feu pour moi là. Bonsoir Nadi. Je vous suis sur Facebook. Bonsoir. Autant bien sûr, on connaît le Facebook, il va ici. On a dit Facebook. Il a trouvé le prophète Nadi sur Facebook. Et la prochaine fois, quand on va parler du prophète, il va plus dire Nadi. Il va dire non, c'est le prophète, non, c'est le prophète Jerry. C'est le prophète, c'est l'homme de Dieu Jerry. Mais les gens, c'est Nadi, toi. La personne a le peuple son père. Celui qui pardonne n'est pas un spectateur. Quand tu viens dans la maison de l'Éternel et tu es un spectateur, il faut savoir que tu n'as pas un cœur. L'amour de Dieu n'est pas manifesté dans ton cœur. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils sont juste des spectateurs. Tout ce que nous faisons ici, si tu viens dans une église et tu n'accomplis pas la mission de Dieu, et Dieu va te trouver inutile, tu ne sais plus, tu ne lui sers à rien sur la terre. Il va confier ta mission à une autre. Tu vas partir. Il a quitté l'église. Il a quitté l'église. Il est rentré à la maison. Tu as vu la prière que nous avons fait le jour là. Ne casse pas. Comment on peut faire cette prière? Comment on peut faire? Quelqu'un va quitter la prière et mourir. Ah, il a le quoi pour moi. Il a quoi? Mon sort la soie quand il y a. Il sent que le père là, c'est ce qui lui permet de voir les yeux là, ne fonctionne plus. Sinon, il a quoi? Si la personne a été vraiment pour elle, il était de son côté là. Si la personne a été. C'est peut-être maman qui a amené la personne. Et la maman est là, mais elle a moyen de tuer. Oh, et la maman est là, mais elle a eu l'air aussi. Si c'est peut-être parce que la vie. Ah, c'est elle a passé par la même. Ou bien son propre protocole de guerre. Nous qui sommes comme ça, c'est vraiment là. Et raison, moi j'ai 5 pères. C'est pas moi aussi là. Moi ça, j'ai 5 pères. J'ai un père qui veille sur lundi. Enfin, bâtard. J'ai un père qui veille sur lundi. Il y a un père qui veille sur les mardis. Mais non, moi j'étais à la chaque jour de la semaine, il a un père qui veille sur le jour.
général. Il visualise tous les jours. Moi, si raté, mais bien. Oh, fais-le. Si tu es ici, comment on vit? Et si tu ne fais rien dans la maison de Dieu, même quand tu dis que pile est déchargée dans le micro, toi tu ne peux pas aller prendre pile là-bas et mettre dedans. Ami, ça est toi. Et Dieu va te donner ce verre-là. Et tu vas faire. Avec le péché-là, il a pu cotiser jusqu'à avoir 1 million. Je sais que le garçon t'a blessé. Il a brisé ton cœur. Ou bien cette femme-là, cette fille-là, elle a bouffé ton argent. Tu nous disais, oh, il y a qui ne va pas de mais il y a ce n'est pas une raison que tu vas fermer ton cœur. Le fait de libérer ton cœur, c'est pour ton propre avantage. Parce que lui va te faire du mal. Toi, tu renfermes ton cœur. Lui continue sa vie là-bas. Et Dieu ne te bénit pas. Dieu n'exauce pas tes prières. Tu fais du mal à toi-même. Tu viens dans cette église, les bras ballants. Tu veux inviter personne. Tu n'es impliqué dans aucune chose. Parce que tu ne veux pas être dérangé. Tu ne veux pas arranger. Maintenant, celui qui fait faire le bien et ne le fait pas. Donc ton fils, tu pèches devant le Seigneur qui ne va pas te bénir pour ça. Il y a des gens qui ont le ciel fermé. Qu'est-ce qui se retrouve? Qu'est-ce qui se retrouve?
où se trouve l'amour de Dieu. 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 On a dit Dieu a tant aimé. Et le maoui qu'il a donné un fils au piton. Toi qui aimes. Toi qui dis que tu aimes un peu. Et tu ne pas venir. Que Dieu tes mains, tes pieds, ta sagesse, ton argent, que ton Dieu, tes mains font quoi dans cette maison? Donc, demande à celui qui a côté de toi. Que font tes mains là? Dans cette maison. Vos mains la font quoi ici? Votre capacité, vos compétences, vous les utilisez pour faire quoi? Quand vous venez dans la maison, vous les utilisez pour faire quoi? Il y a beaucoup de choses dans cette maison. Donc, vous menacez pour dire que tu veux rentrer dans le monde de tes sessions.
grandit. Et tu peux bien interpréter. Aujourd'hui, tournez vers des prières égoïstes.
Tes prières égoïstes. Élevées vers nous-mêmes. C'est à cause de ça cette église continue à être comme ça. Et il est temps que chacun reporte son armure. Il est temps que chacun reporte, prenne son bateau de pèlerin. Venez dans mon église. Venez visiter mon une fois seulement. Venez visiter une seule fois. Venez, nous avons prié aujourd'hui. Nous avons croisade. Nous avons un programme. Viens jusqu'à la croisade. Après, tu peux repartir. C'est comme ça que nous allons commencer par travailler. C'est comme ça que nous allons commencer par travailler. Pourquoi ça n'a pas marché?
Regardez toutes les déclarations que nous recevons ici. Est-ce que vous savez que même leur slogan de Ramallah, c'est une prière dangereuse? Non, le slogan que nous donnons à la fin. La prière de l'immortalité. C'est comme les sons que David a conçus. Tu répètes ça chaque fois. La santé divine. La maladie est impossible. La maladie est malade. Arrête, tu vas encore répéter ça. Bon, il faut aller à l'aide, la maladie est impossible. Et tu vas à la maison prendre encore paradis. On dit la maladie est impossible. Et tu racontes bien. Mais il faut faire le travail du monsieur. Le monsieur va faire du travail. Au hasard, t'as l'air de voir un peu. Apprenons à faire les choses de Dieu. Mais t'es pas un peu bleu, mais il que Dieu fasse le manque de pardon crée la haine. Le manque de pardon crée les inimitiés. Le manque de pardon crée la division dans les églises. Nous sommes en pleine période de reconstruction. Quelle est ta pierre? Nous avons besoin de ta pierre. Nous avons besoin de ta pierre pour construire cette église. Nous avons besoin de ta pierre. Si tu ne déposes pas ta pierre, le trou va rester là. Si tu ne déposes pas ta pierre, l'espace va rester là. Nous avons besoin de ta pierre. C'est le moment de refaire un nouvel engagement avec le Seigneur. Mets-toi sur tes pieds et commence par parler au Seigneur. C'est le moment de refaire un nouvel engagement. Commence par lui parler. Oh, Abba Père. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et parler à Dieu ce soir? Et prendre un nouvel engagement, c'est faire. De travailler dans sa maison. De travailler dans sa maison. Et que des fois tu vis loin. Ou bien tu es occupé. Et les fois où tu es libre. Même si tu es occupé. Tu ne peux pas inviter les gens. Tes connaissances. Au nom puissant de Jésus, il y a de ces messages quand nous les écoutons. Deux jours, trois jours après, ça nous quitte encore. La motivation disparaît. L'envie disparaît. Tu vas prier ce soir. Et lève ta voix et demande. Seigneur, maintiens cette flamme dans mon cœur. Maintiens cette flamme dans mon cœur.